Bonjour à chacun de vous déjà. Tout à l'heure, Yannick, dans sa prière, parlait de... Qu'est-ce qui est indestructible? Un lien indestructible, tu disais? Bon, c'est pas grave, t'as oublié. une relation indestructible, peut-être, quand tu parlais à nos baptisés en particulier. Et c'est tellement important. Et... Par Jésus-Christ, eh oui. Et il y a quelques semaines de cela, avec les hommes, alors je n'étais pas ce soir-là, mais les hommes avaient, Guillaume, tu me rappelles si je me trompe, parlé de Jonathan et David. C'est vrai ça? Et ça m'a donné envie de recreuser un petit peu ces passages qui parlent de l'alliance entre David et Jonathan, et puis bien entendu d'autres, parce que toute la parole de Dieu est remplie finalement d'alliances qui ont été faites avec des hommes qui ont voulu unir leurs forces, unir leur amitié, et puis dans le but de servir Dieu. Alors je dis des hommes, il y a aussi des exemples de femmes, bien entendu, on va voir tout cela. Et c'est tellement important de vivre des relations fortes, ou en tout cas des relations qui vont dans le sens de la croissance au milieu de nous. Vous savez que les villes antiques, et même nos villes en France, à l'époque du Moyen-Âge par exemple, étaient fortifiées. D'énormes fortifications, ou même quelquefois ce qu'on appelait des châteaux forts, qui servaient à protéger les habitants par rapport aux invasions des pillards, des envahisseurs de toutes sortes qui existaient à l'époque-là. Et en fait, on pourrait dire que notre cœur est un petit peu comme une place forte à garder, justement protéger. Et beaucoup de textes dans la parole de Dieu, vous le savez bien, nous disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Et notre cœur est souvent attaqué, et au travers des multiples relations que l'on peut avoir au niveau social, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de la vie de couple, peut-être, eh bien, il y a des brèches qui peuvent malheureusement, peut-être au fur et à mesure exister, des fissures en quelque sorte, qui vont mettre à mal justement cette unité, cette alliance, et puis ces relations qui, en Jésus-Christ, c'est vrai, sont normalement, et je crois que c'est une réalité, bien sûr, sont désormais devenues indestructibles. Comment se protéger? Et comment établir aussi des relations fortes les uns avec les autres, ou en tout cas, si ça n'est pas le cas, comment aller dans ce sens-là? C'est un petit peu l'objet de ce que je voudrais partager avec vous. Vous savez que Néhémie a été appelé à reconstruire les murs de Jérusalem. Et au-delà de la symbolique de Jérusalem, et puis bien entendu de la nécessité de protéger cette ville, eh bien il y a toute l'importance pour chacun de nous de se poser la question, est-ce que mon cœur est lui aussi protégé? Est-ce qu'il est face à toutes les menaces ou toutes les contrariétés, on va dire tout simplement, de la vie de tous les jours, est-ce que mon cœur est protégé? Et est-ce que j'ai mis autour de mon cœur suffisamment de garde pour qu'il ne s'égare pas, pour qu'il n'aille pas dans toutes les directions. On peut lire dans également Ésaïe 58, on va lire un premier verset, Ésaïe 58, 12, qui nous parle d'Ésaïe, qui est aussi ce réparateur de brèches. Alors vous voyez, il y a le sens réel, concret, pratique, matériel, de brèches, de murailles, de pierres, mais au-delà, bien entendu, tirons-en. La signification pour chacune de nos vies qui sont aussi un espace à protéger et qui plus spécialement à notre époque est tellement attaqué, vous le savez bien. Voilà ce que dit Ésaïe, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Restaurer le chemin, rendre le pays habitable. C'est important de pouvoir aller vers notre frère, vers notre sœur, bien entendu, pour l'aider, pour la secourir, quand le temps est venu. Et dans la parole de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, on a tout un tas d'exemples d'amitié que, je pense, l'Esprit de Dieu va susciter
afin de justement pouvoir tenir bon dans les jours mauvais, afin de pouvoir garder le cap quand les circonstances extérieures vont être adverses. Et je vous propose donc de lire dans 1 Samuel 18, puisqu'on parlait de Jonathan et Samuel, on va lire les trois premiers versets de ce chapitre 18. Voilà ce qui nous est dit. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous voyez des versets forts, très forts en l'occurrence, dans la parole de Dieu. Saül, vous le connaissez bien, c'était un roi qui avait au départ tout un tas de qualités extraordinaires et qui aurait pu être un très grand roi. Malheureusement, peut-être justement faute d'alliance, ou faute de conseil, ou tout simplement parce qu'il voulait suivre ses propres voies, c'est un roi qui ne va pas être ce qu'on peut appeler un bon roi. Et vous pourrez lire, bien entendu, ou vous le faites, j'imagine déjà, mais vous pourrez voir malheureusement le destin, ou la, on va dire, ce qui est arrivé finalement à ce roi Saül, qui n'a pas fait partie des bons ou des grands rois d'Israël. Jonathan. Mais Jonathan, c'est le fils de Saül qui est appelé un jour à prendre la succession de son père. Et puis David dans le contexte que l'on vient de lire, eh bien, il vient de vaincre Goliath, et puis on va dire que toute l'attention est centrée sur lui. D'un seul coup, vous savez, un peu comme les nouvelles gloires de notre époque qu'on lance à renfort de grandes publicités ou de médias, David a tous les projecteurs qui sont désormais braqués sur lui. Et bien entendu, ça va susciter, vous le savez, la colère et puis surtout la jalousie de Saül, qui voit en lui un personnage qui apparaît un petit peu venu de nulle part, vous le savez bien, avec David, hein, qui est un simple berger finalement. Et comme quoi les plans de Dieu finalement sortent de ce qui est prévisible, de ce que l'on aurait pu imaginer ou croire. Et donc, David va prendre de plus en plus d'importance, et c'est là qu'intervient Jonathan. Jonathan qui va faire preuve de discernement et qui va probablement comprendre de la part de Dieu que c'est avec David qu'il faut avancer. C'est avec David qu'il faut creuser les relations et puis tout simplement mener sa vie. Et on voit que Jonathan s'attache dans un premier temps à David. Et puis dans un deuxième temps, il nous est dit également qu'il fait alliance avec David. Il s'attache, c'est pas facile pour Jonathan. Jonathan pouvait voir aussi en David un rival. Jonathan, n'oubliez pas, était destiné à prendre la succession de Saül. Et Saül, à l'époque, était, on va dire, un roi qui était assez mal parti. Et Jonathan pouvait tout à fait légitimement se dire, ben, moi je vais faire beaucoup mieux que lui, je vais faire mieux que mon père. Et puis en s'attachant à David, Jonathan fait un trait aussi, d'une certaine manière, par rapport à ses relations avec son père. Il reconnaît que son père, et ça a dû être difficile pour lui probablement, n'est pas dans le plan de Dieu. Et il choisit délibérément de faire confiance à David, et puis petit à petit, cette alliance entre David et Jonathan va prendre de plus en plus d'importance. Il faut du temps pour créer une alliance, pour tisser des liens, et c'est ce que vont faire ces deux hommes-là. Ensuite, il nous est dit, justement, Jonathan fit alliance avec David. Quand on regarde le terme original en hébreu, il n'est pas dit « il fit alliance », mais « il coupa ». Il coupa une alliance. Pourquoi il coupa une alliance? Tout simplement parce que lorsqu'on traitait une alliance, et c'était assez courant finalement à cette époque, on offrait des animaux en sacrifice et puis on les coupait en deux parties. Et chacun mangeait une partie de l'animal sacrifié. Et en le mangeant, c'était un petit peu comme s'il disait « je te donne ma vie et toi, tu me donnes ta vie ».
C'est comme ça que se traitait une alliance. Et il y avait, si vous êtes curieux d'essayer de comprendre dans la parole de Dieu, tout un tas d'alliances de sang. Ça peut nous paraître à notre époque un petit peu étonnant, un petit peu curieux, mais beaucoup de personnes, de personnages dans l'Ancien Testament ont ainsi traité, ou si j'ose dire, donc coupé des alliances au travers de sacrifices. Et ces alliances, aux yeux de Dieu, comptaient énormément. En tout cas, voilà que Jonathan et David vont traiter une telle alliance. Un petit peu plus loin, on voit un verset intéressant qui nous montre que cette alliance que Jonathan en particulier avait traitée avec David était forte. On va lire le verset 4. Il ôta, il c'est Jonathan, donc Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alors vous voyez, on est toujours dans la symbolique. Le manteau, qu'est-ce que c'est? C'est le signe, oui, c'est le signe du pouvoir, de l'autorité. Exactement. Et ce n'était pas anodin que Jonathan donne son manteau à David. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il lui transférait l'autorité qu'en tant que fils de roi, il était appelé à exercer. Et puis, c'est un peu comme s'il donc disait, eh bien, je reconnais en toi l'autorité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Jonathan a dû, avec beaucoup de discernement, comprendre le rôle, la place, l'autorité que David allait avoir un petit peu plus tard. Et puis les armes, ça veut dire la protection sans réserve. Ça veut dire que si David, à un moment donné, est attaqué, si sa vie est mise en jeu, mise en péril, eh bien Jonathan va tout faire pour le protéger, pour le défendre. Donc vous voyez la qualité de cette alliance. Cette alliance, elle parle d'engagement. Elle parle de fidélité dans le temps. Elle parle de persévérance. Je pourrais donner d'autres qualificatifs encore. Elle parle de priorité. Elle parle de renoncement. Parce qu'une alliance, pour la maintenir, la protéger, la garder, ça suppose parfois des renoncements. Ça suppose de ne pas faire sa propre volonté. Ça suppose de ne pas défendre ses propres intérêts, mais ceux de l'autre personne avec laquelle on a fait alliance, justement. Ça suppose aussi une discipline. C'est bien de faire alliance aujourd'hui, mais est-ce que demain, cette même alliance, elle est toujours maintenue et préservée? Et tout simplement, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est dans nos relations fraternelles, par exemple, dans le cadre de notre assemblée, est-ce qu'on est prêt à aller vers ce genre de relation, d'alliance, qui ne va pas forcément se faire du jour au lendemain, mais est-ce que déjà, en tout cas, je dirais, dans notre cœur, nous avons ce désir, ce souhait de construire des relations plus fortes que ce qu'elles ne sont aujourd'hui? Et finalement, c'est le but de toute église, de toute assemblée, de, je dirais, l'épouse de Jésus-Christ, de vivre ce genre de relation. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Si vous connaissez l'histoire de David et Jonathan, vous savez que malheureusement, cette histoire se termine de manière tragique. Jonathan est tué au combat. Mais je voulais juste vous lire quelques versets qui nous montrent que l'alliance que David et Jonathan ont conclue ne s'arrête pas là. Ce que je veux dire, c'est que dans le temps, elle va se poursuivre. Et on va lire dans 2 Samuel 9, cette fois-ci un petit peu plus loin, ce que va dire David par rapport à la famille de Jonathan. Donc 2 Samuel 9, versets 1 à 7. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, «
N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il ? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et, alors là, c'est dur à dire, je vais essayer de ne pas me tromper, Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et voilà ce qui est important. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. On pourrait faire une prédication là-dessus, mais je ne vais pas trop m'attarder. Simplement, ce que je veux retenir, c'est que cette alliance, dans le temps que David et Jonathan avaient conclu, tous les deux, elle perdure, elle continue. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur des bases solides. Et Jonathan veut faire du bien à Mephibosheth, parce qu'il se souvient de l'alliance qu'il avait conclue avec le père de Mephibosheth, justement, mais Jonathan, bien sûr. L'alliance demeure, elle se continue, elle se poursuit. Et je voulais juste, peut-être un petit peu en petit encart, si vous voulez, parler de l'une des bonnes choses d'une telle alliance. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la redevabilité ? Ça veut dire que les deux personnes sont redevables l'une par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se surveiller, qu'elles vont s'espionner, mais ça veut dire simplement qu'elles vont instaurer en quelque sorte des garde-fous, des protections, parce qu'au niveau du partage qu'elles vont avoir de manière régulière, eh bien, elles vont être capables, l'une par rapport à l'autre, de pouvoir dire éventuellement, attention, là, ce que tu penses n'est pas forcément juste. Ou là, ce que tu fais n'est pas forcément ce qui a besoin d'être fait. Autrement dit, au travers de cette redevabilité, deux personnes peuvent accepter, je dirais, un droit de regard sur l'autre, qui, encore une fois, n'est pas du tout de l'espionnage ou de la surveillance, mais simplement dans le but, finalement, de mettre en garde, de prévenir, de faire attention quand, peut-être, certains objets de discorde ou de difficulté, et tout à l'heure je parlais du cœur, peuvent entrer dans notre cœur et nous égarer. Et je pense que si on pouvait davantage vivre cette redevabilité, on éviterait bien des erreurs dans nos églises, ou tout simplement dans nos relations humaines, habituelles, professionnelles, amicales, fraternelles. Donc, un des bons aspects de cette alliance, c'est finalement qu'elle crée, entre les personnes qui sont d'accord pour entrer dans cette alliance, une espèce de forteresse qui va éviter justement tous les dégâts que l'extérieur, et je dirais même que notre ennemi, Satan, pourrait, au travers de nos pensées, essayer de faire entrer dans notre cœur. La vie politique aujourd'hui, vous le savez bien, elle est très mal perçue par nos contemporains. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite en permanence de prétendues alliances qui, pour un oui, pour un non, ont été brisées. Pour une question d'intérêt, pour une question d'orgueil, pour une question de pouvoir. Et on critique, et on renie, et on trahit. Et c'est le spectacle assez désolant, en tout cas je pense en France, peut-être pas forcément dans tous les pays qui sont autour de nous, mais je pense qu'en France, notre système politique, il est malheureusement, on peut dire les choses, on va dire corrompu. C'est tout à fait ça. En étant parfaitement objectif. Pourquoi ?
Parce que les Français se rendent bien compte, chaque citoyen se rend bien compte que toutes ces alliances, en fait, ne tiennent pas debout. Et qu'il suffit d'une légère brise, je ne parle même pas d'une tempête, mais d'une légère brise pour les renverser. Autrement dit, tout le spectacle qui nous est, au travers des médias, proposé, nous montre et nous révèle à quel point tout cela est fragile, à quel point tout cela ne tient pas la route, finalement. Et c'est tellement en opposition, tellement en contraste avec ce que nous propose la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de vraies alliances, de vraies amitiés qui sont solides. Alors on a parlé de David et Jonathan, il y en a bien d'autres. Et je suis sûr que si je vous en demandais quelques-unes, vous pourriez m'en citer d'autres. Moi j'ai envie de vous parler rapidement de Ruth. Ruth et Naomi, peut-être on peut lire le verset 16 de Ruth 1. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font des alliances, on est d'accord hein Loïc? Ruth répondit, Noémie dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Autrement dit, Naomi, elle met un petit peu comme un test, une petite épreuve par rapport à Ruth pour voir ce qu'elle va dire. Est-ce que l'alliance va tenir le choc? Et voilà la réponse de Ruth. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. » Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà des paroles tellement belles. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon Dieu et ton Dieu sera mon Dieu. Là aussi, on pourrait faire des prédications sur cette belle histoire. Alors, Daniel et ses compagnons ont également fait alliance. Et là aussi, allez relire les alliances que Daniel a pu établir avec ses trois compagnons en particulier. Et puis, l'apôtre Paul lui-même, dont on dit qu'il était quelqu'un d'assez indépendant, assez colérique, assez individualiste, mais guidé et transformé par le Saint-Esprit, il va lui aussi être capable de vivre en équipe. Et Guillaume aime bien parler de binôme. C'est ça, binôme? C'est ça, Guillaume, des binômes. Oui, tu nous diras un jour ta pensée sur les binômes, parce que je crois qu'elle est intéressante. Les binômes, deux personnes. Un Guillaume. Un binôme. Deux personnes qui travaillent dans le même but, qui veulent avancer sur le même chemin. Au début, dans l'équipe que Paul et Barnabas formaient, ce n'était pas Paul qui était le leader, c'était Barnabas. Barnabas, ça veut dire « fils d'exhortation ». Et a priori, on peut penser que c'était quelqu'un qui avait des véritables talents pour un meneur d'hommes, un leader, un prédicateur. Et donc, un petit détail comme ça amusant dans les Actes des Apôtres, il est toujours question de Barnabas et Paul qui vont à tel endroit. Barnabas et Paul qui font ceci ou qui font cela. Et à un moment donné, c'est plus Barnabas et Paul, c'est Paul et Barnabas. Parce que l'auteur des Actes des Apôtres essaie de montrer une espèce de priorité, c'est-à-dire que Paul avait son ministère qui s'étendait, qui grandissait, et de telle sorte qu'il était désormais indiqué Paul et Barnabas. En tout cas, c'était une bonne alliance. Et ils ont annoncé la parole de Dieu, ils ont évangélisé. Et puis, à un moment donné, ça n'empêche pas les conflits, parce que vous le savez bien, Marc, qui faisait partie d'un de leurs voyages missionnaires, pour différentes raisons, a abandonné. Et Paul, qui avait toujours ce côté un petit peu colérique encore avec lui, va lui en vouloir et va dire, puisque c'est comme ça, on ne fait plus équipe avec lui. Et Barnabas, qui probablement est plus conciliant, eh bien Barnabas va dire, mais si, reprenons-le. Mais l'un et l'autre ne vont pas réussir à se mettre d'accord.
Et du coup, il va y avoir deux équipes. Il va y avoir Paul qui va s'en aller avec Silas, un autre de ses collaborateurs. Et puis Barnabas, lui, ben, lui, il va prendre Marc. Alors vous allez me dire, c'est très bien. Du coup, ça fait deux équipes au lieu d'une. Et l'évangile n'en est pas moins pour autant annoncé. Mais ça montre que dans les alliances, on peut quelquefois avoir des désaccords. On peut avoir des incompréhensions, mais ça ne doit pas pour autant remettre en cause cette alliance. Et d'ailleurs, si on lit, on pourrait lire aussi dans 2 Timothée 4:11, on voit qu'un peu plus tard, Paul reconnaît que Marc, finalement, a de la valeur en tant que serviteur. Et il va lui dire, Luc est avec moi, mais surtout il dit, prends Marc, emmène-le avec toi, il m'est utile pour le ministère. Voyez, dans les alliances, quelquefois des écueils, quelquefois des doutes, bon, quelquefois des fâcheries ou même des divisions. Mais ce qui est important, c'est de renouer l'alliance. Se dire que si l'alliance vient de Dieu, eh bien elle doit rester, elle doit demeurer. Je vais terminer en disant, avec qui fait-on la meilleure alliance ? Avec Jésus. Hein, vous connaissez ce cœur, Joël, tu le connais bien. Quel ami fidèle et tendre ? Les tendres. Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Ah, on l'a pris un petit peu bas, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est les paroles. Vous êtes d'accord ? Jean 15:15, notre meilleur ami, Jésus, celui avec lequel, alors qu'on n'avait rien à lui apporter, alors qu'il avait tout à perdre, rien à gagner, eh bien Jésus a traité malgré tout l'alliance. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et en relisant ce texte, quand je préparais cette semaine, je me disais, mais quelle différence avec tous ces amis virtuels. Combien d'amis avez-vous sur Facebook ? Peut-être vous n'êtes pas sur Facebook. Vous pouvez en avoir 150. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce sont des amis ? Ce sont des connaissances ? Ce sont des relations ? Ce sont des amis des amis ? Ou des amis, des amis, des amis. Est-ce que ce sont des véritables amis? Est-ce que vous avez envie de traiter une alliance avec ces amis-là? Ce sont peut-être des très bonnes personnes. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais est-ce que ceux qu'on appelle amis sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux sont véritablement des amis? J'en suis pas certain. Et quelqu'un disait, j'aime bien cette phrase, si dans ta vie tu as eu ne serait-ce qu'au moins un ami, tu es heureux. Tu es béni. Et je crois que dans notre vie, finalement, d'église, on a besoin d'amis. C'est pas toujours facile. On a nos affinités et on a effectivement donc les personnes avec lesquelles on sent que l'on peut traiter une telle alliance. Mais je m'invite à creuser, à approfondir les liens que l'on peut avoir, à discerner aussi quels sont nos amis potentiels, les personnes avec lesquelles on va pouvoir s'engager. Il n'est plus question d'une alliance de sang comme on faisait dans l'Ancien Testament, on est bien d'accord. Mais il est question d'alliances dans lesquelles on décide d'aller plus loin dans le partage, dans tout ce qui peut nous réunir et qui, je pense, n'importe comment, est totalement conforme à ce que nous enseigne la parole de Dieu et que les actes des apôtres avaient tellement bien vécu. Mais là aussi, vous voyez, dans les actes des apôtres, il nous est rappelé aussi qu'il y avait quelquefois des dissensions, qu'il y avait des désaccords. Pierre et Paul n'étaient pas toujours d'accord, loin de là. Pierre avait un côté encore assez religieux. Paul était beaucoup plus large par rapport à l'évangile à annoncer aux païens, aux gentils dont nous sommes. Mais finalement, ce n'est pas ça qui compte.
Ce qui compte, c'est que le Seigneur désire vraiment que dans nos relations, et en particulier ici à Saint-Malo, eh bien, nos liens, et je reprends encore une fois ce que disait Yannick, nos liens deviennent vraiment indestructibles. C'est important. Et pas seulement pour notre propre plaisir personnel, mais parce que devant la réalité de notre monde, et on ne sait pas ce qu'on va être, ou là où on va être dans 1, 2, 5, 10 ans, je ne sais pas. Mais peut-être que ce sera encore plus difficile. Peut-être que la pression sera encore plus forte. Peut-être que les épreuves éventuelles seront encore plus difficiles à supporter. D'où l'importance de traiter ces alliances avec, bien entendu, Jésus. Celle-là, on va toujours la mettre en premier. Elle est absolument la base de ce qui fait notre foi, nos convictions chrétiennes. Mais également avec des frères et sœurs. Vivons ces alliances. Vivons cet approfondissement dans nos relations. Et aussi pour le service de Dieu, parce que c'est en équipe, c'est en binôme ou en trinôme. Ça existe ce mot, je ne sais pas. En binôme. En binôme, c'est déjà bien. Ah oui. En binôme. Qu'on va pouvoir avancer. Voilà, je vous invite, je m'invite à réfléchir sur ce thème. Il est important parce que c'est notre ancrage dans la parole de Dieu. On a besoin de Jésus. On a besoin des frères et sœurs. On ne peut pas dire « je n'ai que Jésus ». On a Jésus et les frères et sœurs. Et bien que le Seigneur nous encourage et nous bénisse au travers des relations plus fortes qu'il désire créer en nous et au milieu de nous.